à DJ Smoka pour cette superbe playlist. Voilà, on s'ambiance, on est toujours dans Over the Time et on est toujours aussi bien accompagné d'Ayal. Aujourd'hui, j'ai préparé une interview spéciale pour toi, voilà, une interview portrait chinois pour toi. Et ça va commencer tout de suite, donc c'est tout simple en fait, c'est des questions si tu étais. Ok. Alors, d'Ayal, si tu étais un élément, quel serait-il ? Si j'étais un élément, alors je serais le vent. Ok, pourquoi ? Parce que le vent, c'est l'élément pour moi qui représente plus la liberté, en fait. Si tu étais un poème d'amour ? Si j'étais un poème d'amour, bah je serais, après, je ne pouvais pas trop savoir, mais je serais un poème que j'ai écrit pour mes parents. D'accord. Voilà. C'est quoi le titre ? C'est mes parents. Si tu étais une date célèbre ? Si j'étais une date célèbre ? Si j'étais une date célèbre, attention à ce que tu vas dire. Ouais. Si j'étais une date célèbre, je serais... je me rappelle plus de la date exacte. D'accord. Mais je serais le jour de l'indépendance du Congo. Le 22. Okay. Non, c'est... Très bien. Si tu étais une période historique maintenant. Ça, j'aurais dit les années hippies pour faire facile, mais une autre belle époque aussi, ça aurait été... Bah non, on va rester sur les années. On va pas chercher compliqué. Ouais. D'accord. Alors, si tu étais une destination de voyage, quelle serait-elle ? Une destination de voyage, Bali. Si tu étais un animal ? Si j'étais un animal, je serais le lion. Si tu étais un moyen de locomotion ? Les jambes. Moi, je m'attendais à jet privé. Bon, ok. Mais c'est pas mal non plus. Non, des rollers, allez, des rollers. c'est plus funky, ouais, les rollers. C'est plus rapide aussi. Si tu étais une vertu. Une vertu, si j'étais une vertu, la compassion. La réincarnation d'une légende de la musique. Si tu étais ça, ça serait quoi? Lightning Kids. Ok. Ouais. Et si tu étais une chanson? Si j'étais une chanson, je serais... Soul Rebel de Bob Marley. Alors, bien. Bon, vous voyez comment c'est efficace du coup ce portrait chinois, ça nous fait découvrir un petit peu des facettes cachées comme ça de cet artiste qu'on connaît pas forcément ou bien qu'on connaît un tout petit peu. Et du coup voilà, on en sait un petit peu plus en profondeur. C'est un piège parce que tu te dévoiles beaucoup en fait à travers. Exactement. Exactement. Réponses, hein. On peut percevoir l'âme de quelqu'un avec le portrait chinois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc Daya, c'est un amoureux inconditionnel de la musique. T'es un amoureux de l'amour aussi, en même temps. Tu chantes beaucoup sur cette thématique. T'aimes beaucoup t'exprimer. L'inspiration que j'ai, qui me vient. Le plus fortement à chaque fois, c'est des chansons sur l'amour. La thématique principale, c'est l'amour. Est-ce que je peux poser une question indiscrète? Est-ce qu'il y a une muse ou est-ce qu'il y a une amoureuse qui t'inspire? Bah, disons que j'ai pas. J'ai une copine, si c'est la question. J'ai une copine. Et non, Roméo, il a une copine. Mais c'est pas ça ma question. Je veux savoir d'où vient cette inspiration, voyons. J'ai été éduqué un peu comme ça dans le respect de l'autre, dans le ménagement des autres. Mes parents m'ont éduqué comme ça, et donc c'est devenu maintenant quelque chose d'assez normal et naturel pour moi d'être inspiré par l'amour en fait. Mais l'amour, c'est pas l'amour, c'est pas forcément les relations d'amour. Oui, c'est l'amour en général. L'amour en général. Tu parles beaucoup d'amour en général, de solidarité. C'est vraiment dans cette optique-là que tu construis un petit peu ta carrière, que tu fais ton chemin. Ouais, exact. Comme tu disais tout à l'heure, tu sais, la spiritualité, y a aussi beaucoup la spiritualité qui m'inspire. Et la spiritualité dans laquelle j'évolue parle beaucoup d'amour, de compassion, de solidarité. De ces valeurs-là, quoi. Parfois si je broie du noir, je crains la mort, je ne suis qu'un homme. Il m'arrive de rire par rien, des spirites me tendent la main.
de tout remettre à demain. Je ne suis qu'un homme. Dans quelques heures mes souvenirs, je n'ai mis à en mourir sans jamais oser lui dire, car je ne suis qu'un homme. Si la vie me pose la question, je ne suis qu'un homme, c'est tout ce que je lui réponds. Si la vie me donne le son, juste être un homme, pas le meilleur mais le bon. La 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 la. Un jour j'ai peur, un autre jour je pleure, puis le dernier jour je meurs. Je ne suis qu'un homme, et rire au gré de mes envies, me plaindre de cette foutue vie. Le verre est toujours à moitié vide. Je ne suis qu'un homme. Tout se devine dans mes yeux, dans mon regard filandreux. Comment atteindre les cieux si je ne suis qu'un homme? Si la vie me pose la question, je ne suis qu'un homme, c'est tout ce que je lui réponds. Si la vie me donne le son, juste être un homme, pas le meilleur mais le bon. La 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 la. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis